Monsieur le commissaire du gouvernement, pour le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Monsieur le directeur général de la police nationale, Monsieur Normil Rameau, Monsieur l'inspecteur général, Monsieur Julien, Monsieur le directeur central de la police judiciaire, Monsieur Frédéric Lecomte, Monsieur le directeur central de la police administrative, directeur Mario Aubergiste, Monsieur l'inspecteur général de la DCA, Monsieur Muscadet, Monsieur l'ex-inspecteur général de la police, Monsieur Brice, membre de la presse parlée, écrite et télévisée, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aimables assistants, le ministre de la Justice vous prie tous de vous mettre debout en signe de recueillement à l'endroit du grand vade-mecum, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Nous nous mettons debout en signe de recueillement. Et nous observons 3 minutes de recueillement en sa mémoire. Messieurs les hauts gradés de la police nationale d'Haïti, Monsieur le commissaire du gouvernement, pour le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, cette dernière semaine, le train de la criminalité semble se dérailler car une série d'actes barbares, lâches et révoltants ont été perpétrés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Le docteur Montferrier Dorval, bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, a été fauché par cette machine infernale. Cet acte planifié et dirigé par les tenants de nos malheurs met en émoi toute la société haïtienne. Le président de la République et le gouvernement se trouvent consternés et très préoccupés face à cet événement macabre, sans précédent dans l'histoire nationale. Nous adressons donc nos plus sincères condoléances à sa famille, ses amis, au Conseil de l'Ordre, aux avocats du monde entier et à tous les professionnels du droit. En tant que ministre de la Justice et de la sécurité publique, je dis trop, c'est trop, au grand mot, les grands remèdes. Aucun acte terroriste ne restera impuni et la fusillade du bâtonnier épouse toutes les caractéristiques d'un acte terroriste, mais que ces lâches, auteurs,
tardent encore à le revendiquer. Ils ont assassiné ce icône. Mais ses rêves, ses idées vont continuer à hanter le sommeil de ses crapules. Ce malheur, je leur dis, en vérité, n'arrêtera pas le train mis en marche pour une nouvelle constitution, pour la réalisation des élections crédibles et pour le renforcement de l'état de droit, comme l'a toujours prôné l'éminent juriste et avocat, notre cher bâtonnier Dorval. Instructions formelles ont été passées et réitérées aujourd'hui pour que l'appareil répressif de la République soit mis en branle afin que ces terroristes, incluant les auteurs intellectuels, quels qu'ils soient, puissent être mis hors d'état de nuire et subir les sanctions les plus sévères de notre arsenal juridique. Les autorités judiciaires et policières seront pleinement encadrées pour mener à bien cette mission. Le président et le chef du gouvernement sont unanimes à accorder des moyens supplémentaires et appropriés à ces dites autorités pour encourager les résultats célèbres que toute la nation attend. Je vous le dis solennellement aujourd'hui que ce crime de trop ne restera pas impuni. Je ne céderai rien. La justice ne cédera rien. La police ne cédera rien. La République ne s'inclinera pas devant les bandits. La République ne s'inclinera pas devant les bandits. Afin pour la police, a arrêté bandits et puis parquet a couru la guerre pendant mini justice là. On pas prendre ça dans mes personnes. Nous pas prendre ça dans mes personnes. Nous dit l'homme. Affaire pour la police a arrêté bandits, parquet a plagué yo. Nous pas prendre ça dans mes personnes. A fait la police, a arrêté bandit, juge d'instruction, a blagué par ordonnance de non-lieu, nous pas prendre ça, non mais encore. L'Institut médico-légal et la police scientifique sont déjà à pied d'œuvre pour réaliser l'autopsie du cadavre et un examen méticuleux de la scène du crime. La société entière exige justice pour cet éminent intellectuel, Maître Dorval. Ce grand doctrinaire haïtien, professeur des universités, bâtonnier de son état. Je réponds qu'aucun effort ne sera ménagé pour donner satisfaction à cette exigence patriotique. C'est une priorité nationale. C'est une priorité nationale. Trop. C'est trop. Le sommeil des bandits de tout horizon doit être désormais troublé. Dieu bénisse Haïti. Merci. Le commissaire enquête sous assassinat le bâtonnier de l'ordre des avocats du Port-au-Prince, Maître Montpellier Dorval, n'a pas rappelé que l'enquête là a avancé et il y a plusieurs mondes que nous déjà attendons dans cadre d'enquête ça. Donc nous pas obligé de révéler l'identité, nous pas brouiller l'enquête. Donc pour le moment, nous placer au point fixe devant résidence bâtonnière
afin de sécuriser et de préserver la scène du crime. Donc, je reprends. Donc, pour le moment, nous placer un point fixe devant la résidence du batelier afin de sécuriser et de préserver la scène du crime. Et à partir de demain, commissaire gouvernement, accompagné de la police scientifique, du juge de paix, vient pour transporter sur les lieux, bien que nous ayons fait des prélèvements, mais nous avons transporté nous à nouveau sur les lieux, au fin d'un examen beaucoup plus approfondi de la scène du crime. Nous avons écrit à l'Institut médico-légal au fin de procéder à l'autopsie du cadavre. Donc, en gros, c'est ça. Et le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, M. Rockefeller Vincent, n'est-ce pas, nous a instruit de mettre tout en œuvre pour que lumière soit faite autour de ce cadre. Et nous autres, nous promettons que l'enquête l'a abouti et n'a fait tout ça dépend de nous pour que les auteurs, co-auteurs et complices, à quelque camp qu'ils appartiennent, n'est-ce pas, soient arrêtés, poursuivis et jugés conformément à la loi. Merci. Merci, M. le commissaire. Le commandant en chef de la police, avec l'autorisation du ministre. À saluer M. le président, commissaire gouvernement, membre d'état-major police candidat, la presse en général et la population. La presse en général et la population haïtienne. Par rapport au climat d'insécurité qui vient dans le pays et au récent cas d'insécurité qui arrivait semaine qui sont passées, au niveau de la police nationale, ensemble de dispositions qui sont. L'une des dispositions, c'est établir l'état d'alerte maximale sur toute l'étendue du territoire national. Que ce soit au niveau des commissariats de juridiction, que ce soit au niveau des sous-commissariats et également des unités spécialisées de la police nationale d'Haïti. Par rapport à l'ensemble crime qui fait les CPJ déjà ouvrir enquête a pris lieu très bien. Pour des raisons d'ordre stratégique et opérationnel, nous pas capable de détails sur enquête là pour ne pas entraver. Mais Dieu nous garantit, nous voulons pas population qui a gardé nous là. La presse qui présente par un crime qui a été impuni sous commandement. Tout auteur et co-auteur et complice crime contre société, il y a gagné pour y répondre à une question de la justice. Et nous voulons dire tout, le délai qui part trop long, nous avons gagné pour nous gagner information sur les premiers éléments de l'enquête. Nous n'avons pas avancé à l'enquête là, et nous avons gagné pour nous arrêter toute complicité, et quelle que soit appartenance, quel que soit quand yo. D'ailleurs, la police nationale d'Haïti sont institutions apolitiques liées, n'ont pas ni préférence ni appartenance. Nous-mêmes, ça nous a habitué à faire, c'est quoi? Et bandits au Kounia, ils doivent changer de métier. Parce que si on ne change pas de métier, il y a bien pour aller en prison, ou bien la police a neutralisé, ou stoppé, ils vont aller dans l'enfer. Et nous avons rappelé, font rappel à tout policier et policière qui attendent là, instruction ferme, zéro tolérance pour bandit. Et tout bandit doué pour changer de métier. Merci, M. le commandant en chef, avec l'autorisation. Oui, nous t'ai parlé de ça. Mais, nous pas en mesure, c'est vous qui avez dit nous, est-ce que vraiment,
pas complanté là, est-ce que vraiment pas complanté pas là, parce que nous pas parlé de pas complanté. Est-ce que le compte là, si oui, est-ce qu'il était là dans le joueur? C'est mon cap casino ça. S'il était là, avec s'il pas là. Parce que à chaque moment que nous avons passé par le recet, nous toujours pas complanté là. S'il pas là, ou même on dit nous s'il pas là, les gens n'ont pas connu qu'il pas là. Nous, c'est que nous instruit le commissaire du gouvernement pour être capable de mettre action publique en mouvement contre tout auteur, contre tout co-auteur, contre tout complice, contre tout monde qui récèle l'heure, et bien un acte d'assassinat ça, qui opérait sur la personne de ce grand vade-mecum, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Montferrier d'Orval. Nous instruit le directeur général de la PNH pour qu'il mette toute batterie police-judiciaire, toute batterie police-scientifique, eh bien, dans la balance, pour qu'il arrive, eh bien, mettre les mains au collègue de tout bandit sa yo kap semé la terreur et bien dans les familles, kap semé la terreur et bien dans les institutions, kap semé la terreur dans le pays. Et c'est une façon pour capable déstabiliser et bien tout ça qu'a gagné pour capable régler dans le pays ça. Merci monsieur le ministre et merci à tous les